Bonjour à tous et bienvenue. Nous parlerons aujourd'hui des pots d'agrumes, comment réutiliser ces épluchures dans la maison. Au lieu de jeter les pots d'agrumes, il est tout à fait possible de les réutiliser dans le cadre d'une démarche zéro déchet. Qu'il s'agisse d'épelures de citron, de pamplemousse, d'orange ou autres, il existe plusieurs idées de recyclage de ces épluchures pour la maison et pour lutter contre divers soucis de santé. Découvrez-les. Comment recycler les pots d'agrumes ? Dans les actualités sur l'écologie, le verbe recycler est souvent utilisé. Au lieu de jeter les pots d'agrumes, la réutilisation de ces dernières est recommandée en cuisine. Ces dernières peuvent être transformées en zeste pour aromatiser des plats, que ce soit de la vinaigrette, de la viande ou des gâteaux. Les écorces d'orange sont également utiles pour en créer des orangettes. Des idées de recyclage des épluchures. La vitamine C est excellente pour renforcer le système immunitaire et assurer le bon développement des os. De ce fait, l'une des idées de recyclage est de faire une infusion des pots d'agrumes, soit ceux du citron, mélangés avec du thé. Afin de profiter des nombreux bienfaits de ces derniers, il est recommandé de les consommer crus. De plus, en consommer permet d'éviter la carence en potassium et de réduire la pression artérielle. Ces pots d'agrumes aident aussi à réduire les risques d'accumulation de graisse et de rétention d'eau. Les zestes de ces fruits sont également bénéfiques car étant riches en flavonoïdes, ils préviennent les problèmes de santé cardiovasculaire. Les pots d'agrumes aident à éliminer les mauvaises odeurs. Il n'y a pas besoin d'utiliser des produits chimiques pour parfumer la maison. Les pots d'agrumes sont excellents pour cela. De ce fait, il est conseillé de les mettre dans une cuillère à café de bicarbonate de soude et de le poser dans le frigo ou le fond de la poubelle. Ainsi, cela va absorber les mauvaises odeurs. La même chose peut être faite pour une paire de chaussures ou un placard trop odorant. C'est tout pour aujourd'hui et restez connectés pour retrouver de nombreuses actus de ce genre. Je vous dis à très bientôt.